Voilà. Alors, bonjour, bonjour à tous, c'est Battlefield Hero, donc j'espère que vous appréciez qu'il y a du son. Car aujourd'hui on se retrouve pour, attention, une nouvelle vidéo sur, attention, Minecraft. Donc je commence ma série sur comment bien commencer à Minecraft. Donc les Minecraft tutos, c'est Battlefield Heroes. Alors on va appeler notre monde, donc Minecraft c'est un jeu aussi du cube. Donc dans ce jeu vous pouvez tout faire à base de petits cubes, il n'y a pas de triangle, il n'y a rien, c'est que des cubes. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah c'est surtout pour ceux qui ont de la créativité, dans le sens on s'y habitue très vite, on devient tout de suite accro, franchement. La première fois on se dit c'est des graphismes de merde, c'est un jeu de merde. Mais bon, à fur et à mesure d'y jouer, vous allez tout de suite comprendre que le jeu est franchement très addictif. Donc par exemple, je vais appeler ce monde test vidéo. Non, je vais l'appeler Minecraft tuto. Voilà, comme ceci. Donc le seed, en fait c'est un petit code que vous entrez pour avoir directement une map générée de façon, dans le sens par exemple vous avez un donjon et que vous n'arrivez pas à trouver un donjon, il y a des maps où ça se génère, il y a directement un donjon à côté, enfin vous allez voir le genre. Je vais tout de suite vous expliquer qu'est-ce que c'est un donjon, etc. Alors, changement de la map à ce temps. Voilà, ça la souris va bien aller. Oula, oula. Ah, c'est bon. Alors, voilà, donc je suis atterri dans un biome, donc avec du sable, et en même temps avec de l'autre côté de la montagne. Donc ça, c'est super pratique, puisque quand on va commencer à construire... Oula, ça lag un peu. Oh, c'est trop fort. Quand on va commencer à construire notre maison, et bon, on pourra se faire directement du verre. Et ça, c'est surtout ce que je voulais. Donc, à savoir que Minecraft se passe sur... Bah sur donc je découvre ce monde avec vous, hein, se passe par exemple sur quatre biomes différents. Là donc il y a la neige, donc là je suis en train de ramasser de la terre là, donc il y a de la neige, il y a de la neige, etc. Il y a la glace, enfin ouais, genre. Donc là, en cliquant sur la touche I par exemple, vous avez l'inventaire. Donc là, vous allez crafter. Crafter, c'est-à-dire créer des choses à partir de ce que vous ramassez pour créer d'autres choses. Je m'explique, par exemple. Donc, à savoir que... Voilà, donc il y a deux phases de jeu. Donc, la journée, vous pouvez voir des jolis petits moutons. Et la nuit, de saloperies de bestioles dont il faudra se protéger. Je vais vous montrer après. Alors, la base essentielle, direct dans Minecraft, c'est de d'abord ramasser du bois. Oula. D'abord, se ramasser du bois, parce que sans bois, en fait, vous allez pouvoir rien faire. Le bois, je dirais, c'est la matière essentielle. Hein. Franchement, ça casse les oreilles. Là. Casse sur ma tête, là, avec le petit feuillage. Ça m'énerve. Super rendu, franchement. Voilà, donc on ramasse quand même un peu de bois. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a, par exemple, assez de bois. Oula, oula. Ah, ça lag un peu. Vous voyez, les petits animaux. Hein. Hop, ça, c'est des graines. Donc, j'appuie sur la touche I. Je prends mes morceaux de bois et je les dispose comme ça. Voilà, donc je les dépose en un des carrés, hein. Ça donnera toujours la même chose. Soit je clique droit et j'aurai le nombre maximum d'un coup, ou soit je clique plein de fois, hop, 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 hop. Donc on peut obtenir 36 planches de bois avec 9 cubes de bois normal. Une fois que ces planches de bois, ce que je vais me faire, c'est je vais me faire un inventaire. Donc un inventaire, ça se fait en faisant 4 planches de bois, enfin vous remplissez quoi. La zone, vous voyez, un petit succès en haut se met. Donc je pose mon inventaire en cliquant droit. Je clique dessus et je vais faire donc des bâtonnets, donc deux trucs, ça me donne des bâtonnets. Je pose deux bâtonnets et là je vais me faire ma première pioche. Une pioche en bois. Alors, durée de vie, enfin dans le sens, après je ramasse mon inventaire, donc inutile de ramasser à la pioche parce qu'on peut le ramasser à la main. Donc certains objets se ramasseront uniquement avec la pioche, avec une pioche spéciale, comme par exemple une pioche en métal si vous faites vous ramasser du. Par exemple, qu'est-ce que je dis? Si vous ramassez avec une pioche en pierre, vous essayez de ramasser du diamant, et bah le diamant au fait va se casser, le cube va se casser, mais vous ne récupérez rien. Alors, donc voilà. Alors, je vois très bien que c'est pas une map assez bien. Donc, je dirais la maison banale à faire, c'est ceci. Donc, soit vous construisez dans la roche, comme il y en a qui le font souvent. Ah, premier point, on a du charbon. Alors, ça. Ça c'est quand même assez bien. Ça, j'ai commencé
Parce que comme ça, je pourrais me faire des petites torches pour m'éclairer la nuit. Tiens, il y en a encore là. Pour éclairer la nuit, parce que franchement, une nuit sans lumière, bah moi je dis, franchement, c'est dur à survivre car on voit que dalle et en plus les monstres risquent d'apparaître dans votre maison. Alors, ouais, c'est vraiment, il y avait. Vous voyez, donc il y a une barre de vie, il y a une barre de vie donc en bas, ici là, sur ma pioche en bois, en dessous de ma pioche en bois, il y a une barre de vie, c'est-à-dire elle va pas durer en illimité. Hein, elle durera un certain nombre de temps. Quand la barre sera vide, et eh ben j'aurai plus de pioche. C'est pour ça qu'il faudra se faire une pioche en pierre. Donc je ramasse déjà le charbon. Donc je ramasse un peu de pierre aussi, tiens. Alors mes séries vont se dérouler en 10 épisodes. Donc 10 épisodes en fait 10 épisodes donc sur les bases de Minecraft. Je ne dis pas que je vais vous enseigner tout. Joli bug. Joli bug. Ouh, je sais pas ce qui se passait. Un bug, excusez-moi. Franchement, excusez-moi. Je sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais en tout cas si ça se voit, excusez-moi pour ce bug et ces énormes lags. Alors là. Ah bah. Truc tout con. Alors, j'irai. Soit vous faites une maison comme ceci. Donc vous creusez dans, par exemple ici, hein, et vous faites une maison. Ou soit, il y a vraiment encore plus simple, si vous vraiment vous galérez, je vous déconseille dans le sable. Hein, si vraiment vous galérez, oh bah si vraiment vous voilà. Et bah en fait. Ouf, je crois que ça allait laguer. Vous faites ceci, donc je vais la construire près du sable, comme ça me permettre d'avoir de la ressource près de chez moi. C'est parfait ça. Voilà, je vais me faire pile là, ça va être parfait. T'es en haut là, parce que si après je descends, il risque d'avoir de l'eau. Donc je vais la faire là. Donc si. Parfait. Ici, parfait, ça sera parfait. Donc voilà, donc en tuant les petits cochons. Là, j'ai ramassé d'ailleurs. Hop. Allez, attendez, tais-toi. Voilà. Alors des fois ils en donnent, voilà, deux petites côtelettes. Donc les côtelettes, quand vous cliquez droit, vous pouvez les manger et récupérer des corps, des cœurs. Enfin, parce que. Oula, mais ça lag, hein. Franchement, des fois ça lag énormément. Alors, si toi tu veux bien. Allez, crève, petit. Eh ouais. Et ça, c'est l'arnaque. Non, il tue des bestioles, il dans quand même. Alors, voilà, donc la méthode la plus facile à faire, c'est ceci. C'est vraiment franchement pour ces bugs interminables, c'est mon ordi qui a pas une très grande puissance. Voilà, une fois que je rencontre donc de la stone, donc de la pierre, je vais m'arrêter. Donc, ah, inutile de creuser à la main, ce serait. Parce que si on, à savoir que si on creuse avec un objet alors qu'il n'est pas adapté, c'est-à-dire que une pioche est faite pour la pierre, une pelle c'est fait pour tout ce qui est la terre, du sable, du gravier, etc. Et bah si vous utilisez mal l'objet, c'est-à-dire que par exemple une pioche vous creusez de la terre, et bah, elle va s'user deux fois plus vite. Donc je vous déconseille. Hein. Alors le premier tutoriel bien sûr va se dérouler de comment se faire une maison rapidement, simplement et donc comment survivre la première nuit. Donc je vais agrandir un peu. Voilà, bon alors je vais creuser. Celle-là quand même, franchement, ça va aller. Je vais faire une quatrième colonne. Alors, tout de suite, je vais tout de suite sortir de ma maison en dessous. Je pense qu'il se fait encore jour. Ouais, c'est moi. Il fait encore bien jour. Je vais juste. J'aimerais bien quand même rencontrer des moutons. Ah, du fer. Du fer, ça sera une serrure plus tard. Ah, nickel, un mouton. Un mouton, un mouton. Toi, tu viens là, toi. Je te chope, toi. Parce qu'avec les moutons, on nous permet de faire un lit. Donc, ça nous passe avantage de passer la nuit plus rapidement. C'est à partir de là. Punaise. Voilà. Super. Un bloc de laine. Wouhou.
Une vache. Non, j'ai pas besoin. Ça me permettra de faire une armure, les vaches. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas besoin. Donc, ce qu'il faudrait, franchement, c'est des moutons. À moins que vous aimez bien me voir passer la nuit. Dans un prochain épisode, peut-être. Dans le deuxième épisode, espérons que j'aurai trouvé des moutons. Parce que ça va pas le faire. Et voilà, je perds de la vie comme un con. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs types de monstres. Hein, je vous l'ai pas dit. Alors, il y a. Alors, le premier monstre, je dirais, à craindre. Le plus, c'est. Punaise. Ah, mais je suis en mode peaceful là. Ah, je suis un peu normal. Ah merde, attendez. Je vais pas mettre en rare, peut-être je vais mettre en normal. C'est quand vous mettez en peaceful, il n'y a pas de monstre. Alors, le monstre, je dirais, le plus. Celui à craindre le plus, c'est. Le creeper. Le creeper, c'est quoi? C'est une bestiole qui fait pas de bruit. Une petite bestiole verte. À quatre pattes. Et dès qu'elle vous voit, elle se dirige vers vous. Dès qu'elle s'approche, elle explose. Alors, ça peut endommager, franchement, vos constructions. Vous faites une jolie baraque et bam, ça détruit quand même un mur. Ça, c'est un peu chiant. Oula, 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 oula. Voilà. Alors. Voilà, alors ça, c'est à ne pas faire. J'ai pourri la maison. Ah non, elle est là. Ah, c'est pour ça que je vous conseille de faire une tour. Donc, je lui mettrai des torches après pour voir là, dans la nuit. Donc, mettre une tour. Donc. Voilà. Pour éviter de me casser la gueule. Ah bah non. Ah ouais, l'arche que part pas de vie. C'est pour ça que je vais tuer ce cochon. Voilà mon petit, tu veux. Voilà, je vais prendre un peu de sable. Vraiment pas beaucoup puisque c'est pas l'objet essentiel qu'on aurait le plus besoin. Donc voilà, donc je retourne dans ma maison. Ouais, ça a bien bouffé. Hop, je commence à tuer la pierre. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai mis de la pierre. Ah là là, je suis quand même assez content de pouvoir maintenant en parler parce que avant c'était chiant comme Samson. Franchement, c'est horrible. Voilà. Bon, alors, donc je vais poser mon inventaire. Hop, je clique droit sur mon inventaire. Et je vais me faire une porte. Une porte, hein. Hop, donc une porte. Vous posez donc 3 blocs de bois ici et 3 blocs de bois encore à côté. Et ça vous donne une porte en bois. Hop, donc il y a 2 types de portes, porte en fer, porte en bois. Oula. Il commence à faire nuit. Je déteste ça. J'aime pas ça du tout. Car franchement, c'est chiant. Alors, j'ai tout de suite pas m'attarder à faire des torches. Des torches, ça se fait avec des bâtonnets. Ah non, n'a pas, s'il te plaît. Merci. Ça se fait avec des bâtonnets. Donc, mettez les torches comme ça. Prenez les bâtonnets. Et vous mettez donc les torches. Le charbon au-dessus. Ça vous donne des torches. Donc, ouais, que ça se multiplie. Ça. Voilà. Donc, hop. Une lumineuse terminant dag. Alors le truc à ne pas faire, c'est ceci, que comme un con je l'ai fait, c'était faut mettre essayer de mettre des torches devant votre maison, car sinon si un jour vous dormez qu'il y a un monstre devant vous, ça va pas le faire parce que le monstre ne spawn pas la lumière. Alors une fois ceci, donc on est au calme ici, on sera plus dérangé. Parce qu'on est bien, on est bien chez soi là, comme je disais. Alors on reclique droit sur notre inventaire et on va se faire. J'aurais bien voulu faire un lit. Et en fait, un lit, ça se fait comme ça et avec 3 blocs de laine au-dessus. Et là, c'est pas assez. Bon, on fait rien. Bon, alors je vous montre au moins comment faire un coffre. Un coffre, ça se fait comme ça. Hop. Et voilà, ça vous tenait un petit coffre. Alors notre petit coffre, on va le poser ici. Donc voilà. Je sais pas pourquoi il y a la face qui est là. Et normalement quand on pose un autre cube à côté, voilà, la face elle se met. Alors, sur ce coffre, on pourra ranger nos affaires. Et comme ça, quand on crève, les affaires, et bah, elles vont pas disparaître. Parce que si vous crevez, et bah, les affaires que vous avez sur vous, et bah, elles disparaissent là où vous êtes mort, quoi. Donc là, je profite pour me faire une pioche en pierre. Donc une pioche en pierre, ça se fait comme une pioche en bois, sauf qu'à la place des morceaux de bois. Et bah on met des morceaux de pierre. Donc alors je vais en garder une et je vais en poser une dans le coffre. La pioche en bois aussi. Non, la pioche en bois, tenez. Je vais commencer déjà par. Je dirais la pioche en pierre, c'est la plus courante dans le jeu. Dans le sens, celle qu'on va utiliser le plus. Une fois que j'aurai récupéré du métal, j'aurais bien voulu vous montrer comment se faire des seaux. Donc des seaux pour pouvoir manipuler l'eau. Et donc se faire.
Oh là 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 là, punaise les lags, et punaise. Oh là là là, franchement c'est horrible. Moi c'est parce que c'est en train de filmer l'écran, là ça fait quand même pas mal de lags, franchement. Bon en même temps, bon, et dernière chose importante à faire, un four pour faire cuire vos aliments. Par exemple, parce que la viande crue, ça se mange. Ah putain, franchement, ça se mange dans le sens, ça vous donne beaucoup moins de vie qu'une viande cuite. Ce qui peut paraître logique. Alors je vais reposer mon four. Je clique droit sur mon four, je peux donner du bois, des petits bâtonnets qui vont s'user très vite. Donc comme j'ai besoin uniquement que de faire cuire de la viande, voilà, je mets ma viande sur le dessus et les bâtonnets sous le dessus. Sous le dessous, pardon. Alors ça. Ah non. Ouais, bon, je mets tout dans mon coffre. Et j'ai juste mangé cette petite viande grillée. Maintenant, vous voyez, elle a changé d'apparence. Je vais manger juste cette petite viande grillée. Et donc, on se trouvera une prochaine fois pour un nouvel épisode. Donc, voilà. Donc, le premier épisode, hop, je la mange. Vous voyez, j'ai regagné mes cœurs. Maintenant, ça regagne 4 cœurs et demi, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, voilà. Donc, l'épisode là est fini. Donc, j'espère que vous avez appris. Donc, surtout pour les débutants. Hein, j'espère que vous avez quand même bien apprécié cette vidéo, que ça vous aidera. Alors la deuxième partie sera mise assez bientôt, donc normalement ça les vidéos viennent de week-end en week-end. Alors celle-là c'était vraiment la partie 1, donc l'essentiel quoi, comment se construire une maison, donc une table de crafting, un coffre pour ranger ses affaires et un four pour faire cuire nos aliments et une porte et des torches et voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et bah merci d'avoir regardé. Et à la partie 2.